Électeur, l'avenir de notre patrie dépend de notre sens de solidarité, de tolérance, d'unité et de compréhension. Casser, voler, insulter, brûler, piller, c'est pas votre devoir. Préservons nos acquis. Il est facile de détruire que de construire. Vous les chefs des partis politiques là, hein, parlez à vos militants. Hein. On est en politique. Peut-être que les gens ne comprennent pas. La politique, ce n'est pas la nébulosité. C'est l'art de bien gérer. C'est l'art de bien communiquer, apporter des projets, des idées. On fait la violence avec les idées, mais pas se boxer, se tuer, se faire de n'importe quoi ou de s'insulter. Ce n'est pas ce qui est important. Nous, en tout cas, ce n'est pas notre objectif. Et je pense qu'on ne le fera pas. Et nous allons sensibiliser nos militants que nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un, pour attaquer d'une manière gauche. On n'est pas là pour ça. Mais on est là pour des idées claires et des projets très clairs, fiables. Et que nous pensons que ça va apporter quelque chose pour la région de Kédougou. Donc je lance un appel à tout un chacun, tous les candidats, que même si quelqu'un a gagné, c'est d'accompagner ce candidat-là pour ses réalisations. Il ne faut pas qu'on se casse la tête. C'est Dieu qui sait qui va être maire. C'est déjà fait depuis longtemps. Actuellement, on est en train d'orner, d'harmoniser. Mais c'est déjà fait. Des fois, il y a la barre de l'affaire. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes.